Le journal de la gratitude et le pouvoir de la réflexion. Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans les mini-podcasts de Vince. Et aujourd'hui, on va parler gratitude, on va parler surtout de journal de gratitude et en quoi ça va pouvoir vous servir. Le secret d'une vie plus heureuse pourrait se trouver au bout de vos doigts. Alors, on a tous entendu peut-être ce vieux dicton « Le bonheur est un état d'esprit », mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Et surtout, comment on peut l'atteindre? Eh bien, la réponse est peut-être plus simple que vous ne le pensez. La gratitude. En effet, en prenant simplement le temps de réfléchir chaque jour aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons changer notre état d'esprit et améliorer notre humeur et notre bien-être général. Vous allez voir que la gratitude, c'est quelque chose d'ultra important à appliquer dans votre vie. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on va parler de la science de la gratitude et du bonheur. Donc, lorsque vous prenez le temps de vous concentrer sur ce dont vous êtes reconnaissant, votre cerveau libère de la dopamine et d'autres substances chimiques bénéfiques comme la sérotonine. Donc, cette combinaison de molécules vous rend non seulement plus heureux et plus optimiste, mais elle réduit également les niveaux de stress et soutient votre système immunitaire. Donc, tout le monde y gagne. Mais ça ne s'arrête pas là. La gratitude, elle a également été associée à un meilleur sommeil, à une pression artérielle plus faible et à une meilleure estime de soi. De plus, lorsque vous vous sentez bien dans votre peau et dans votre vie, bah vous êtes beaucoup plus enclin à prendre soin de vous, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Donc c'est vraiment un effet boule de neige. Alors comment vous pouvez commencer à récolter les fruits de la gratitude? Bah c'est tout simple. Vous allez faire un journal de gratitude. Comment on commence un journal de gratitude en 5 étapes simples? Vous allez trouver un journal ou un cahier qui vous convient. Donc vous allez à Cultura, vous allez à la Fnac, vous allez même dans un Carrefour, vous allez dans un supermarché. Vous trouvez un petit carnet. Alors moi, je vous invite vraiment à prendre un petit carnet très peut-être beau, parce que ça va être important pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être aussi, que ce carnet soit vraiment spécialisé dans la gratitude. Et vous allez l'utiliser tous les jours. Alors, assurez-vous qu'il s'agit d'un objet que vous aimez regarder et qui vous inspire. Vous pouvez même, si vous le voulez, le décorer avec des citations, des images inspirantes si vous le souhaitez. Vous allez même trouver des journaux de gratitude sur Amazon qui sont vraiment adaptés avec justement des citations un peu journalières ou autres qui vont vous mettre en énergie chaque jour. Ensuite, vous réservez chaque jour un moment pour la réflexion. Moi, je vous invite à le faire le matin, au réveil, pour que vous soyez beaucoup plus dans cette énergie et que vous mettiez davantage en énergie. Donc, il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup. Vous avez même besoin que de 5 à 10 minutes. Donc, vous trouvez un moment qui vous convient. Et la première chose à faire le matin avec votre café ou juste avant de vous coucher, c'est de bonnes options. Vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Ça peut être plus. Moi, je vous invite à faire 5, voire 10 choses et vous verrez que ça va venir. Même si vous vous répétez, vous notez ces choses. Ça peut être des petites ou des grandes choses, mais elles doivent être précises. Par exemple, au lieu de mettre ma famille, essayez que ma mère sache toujours quoi dire quand j'ai besoin d'être réconforté. Ou je suis reconnaissant à ma petite sœur de toujours me faire rire. Je suis reconnaissant des habits que je porte chaque jour. Merci univers, merci Dieu, merci. Enfin, vous mettez vraiment des phrases qui sont propres à vous, à vos croyances. Si vous croyez en vous, merci à moi d'être toujours dans la bonne direction chaque jour. Merci pour la nourriture que je mange. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on faisait déjà dans l'ancien temps. À faire une prière le soir avant de manger, de bénir la nourriture, c'est ça, bénir, c'est éprouver de la gratitude pour ce que l'on a dans notre assiette, parce qu'on pourrait se retrouver à ne plus l'avoir. Donc, c'est important d'écrire ce pour le quoi vous êtes reconnaissant. Et ensuite, c'est facultatif, partagez vos réflexions avec quelqu'un d'autre. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou d'un thérapeute, de toute personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise, donc d'en parler. Parfois, et ça peut être utile d'exprimer ses pensées et ses sentiments à voix haute. De plus, partager ces moments de gratitude avec d'autres personnes, ça permet de créer des liens plus forts entre les gens. Et c'est tout. Vous prenez juste quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
et vous pouvez augmenter considérablement votre niveau de bonheur par rapport à ça. Alors pourquoi pas essayer ? Vous pourriez juste être surpris par la différence qu'un acte aussi simple peut faire dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que ce podcast, ce mini podcast sur le journal de gratitude vous a plu. Moi je prends du plaisir à les faire. Pensez à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner et ça me montrera votre soutien pour suivre surtout les prochains podcasts. Et moi je vous le dis comme d'habitude, on se retrouve dans un prochain podcast. Ciao ciao tout le monde.